Je veux savoir si vous avez du marc de café. Du marc de café. See you fall, so fall, oh,
cycle. Le cercle, crops, alors je ne sais pas d'où ça vient, crops, mais ça rejoint ce qui existe au Venezuela et en Amérique latine, vous avez des choses qui sont écrites aussi sur le sol. Vous les voyez que par avion. Autrement, vous ne savez pas. Quand vous êtes sur Terre, vous ne les voyez pas. Et là, c'est comme là. Là, on le voit à hauteur d'homme. Là, on voit à hauteur d'homme. Tchouk. Et là, c'est quoi? Ce sont des flèches qui brandissent ou quoi? Ce sont des pioches. Des pioches? Ça ressemble à des pioches, quoi. C'est... Qu'est-ce qu'il fait avec des pioches? Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut faire avec une pioche? Il pioche la terre? Un truc comme ça, oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils cherchent dans la terre? C'est la question. C'est ça la question? C'est la question. Qu'est-ce qu'ils cherchent là-dedans? Tout vient de la terre, alors. Hein? D'après vous, tout vient de la terre? Non, mais c'est marrant, parce que tout à l'heure, il y avait Greenpeace qui était là. Quelque part, vous avez quelque chose de commun. Sûrement. Quelque part. Ce sont des êtres sexués ou pas? C'est l'homme, toujours. Grande hache. Une grande hache. C'est l'homme avec une grande hache. Pourquoi ça a cette forme? De flèche? Oui, ce losange. Ça pique. Est-ce que ça pique? Piox. C'est normal, hein? Si c'est comme ça que vous voyez. Et si le monde s'arrête de tourner? Je n'ai pas toutes les réponses, hein. Parce que l'homme continuera à piocher. À piocher? Eh oui. À piocher dans quoi? On va bien arrêter de piocher à un moment, quoi. Si le monde s'arrête de tourner, peut-être. On n'aurait pas assez pioché dans la terre. Ça dépend comment on pioche. Ça dépend pourquoi on pioche. Comment et pourquoi? On sent quoi? Deux, on sent un cul, on sent deux. On sent merde. Ah, il se fout de ma gueule parce que j'ai visé sous la voie, ça a dépassé. Là, il a raté. Elle aurait pu venir jusqu'ici. Eh non, elle a pas fait. Restez dedans, il y a un cercle machin là. Et puis... ouais. Ah, autant de terre sacrée pour. Pour. Pour tant de bienfaits, tant de. Tant d'apports visuels, tant d'amour, tant de choses que les gens sont pas habitués et qu'effectivement ça interpelle. Les gens s'arrêtent. Ouais, ou l'Argentine, ils ont qui prolifère. Ils ont trouvé en Argentine et au Brésil une terre qui se régénère. On enlève un mètre cube, on revient un mois après, le mètre cube est encore là. Enfin, c'est refait. Ah oui? Il y a des lobbies, des trusts qui font qu'ils veulent pas que ça se sèche forcément. Mais c'est pas révolutionnaire parce que c'est naturel depuis des années. Mais des terres qui se régénèrent, je pense qu'on trouve. J'ai pas le nom exact. C'est un nom exactement. Non, parce que je lui parlais des crop cycle. Oui. On les connaît bien, mais je sais pas, il avait l'air de pas connaître. Moi je connaissais pas, les crop circles. Mais après si, Y a du vrai, des gens peut-être qu'on sait pas, et puis les gens qui les font eux-mêmes. Et rien que pour le côté à faire eux-mêmes, chapeau l'artiste. Je me demande comment on fait pour les faire sur terre. Bah déjà ils sont pas tout seuls. Les filles qui traînent avec des casques, les footeuses de merde, mais qu'on aime bien de toutes les façons. Pour les gens marginalisés, pas
Oui, mais je disais si la Terre s'arrête de tourner. On est dans la merde. Hein. Ah ouais. On en reparle fin 2013, début 2013. Ouais. Oui. Il y aura peut-être des survivants. Ah, il y en aura, hein. Peut-être pour les meilleurs. Je pense qu'il y en aura, ouais. Peut-être pour les meilleurs. Ça se trouve, ça sera les mêmes. Non, surtout que eux, au niveau 2012, machin et tout, au niveau de se poser les questions de peut-être que tu peut-être je sais pas quoi, nous dirigeants et que ce soit tout, nous les très grands riches, russes, autres, que ce soit et tout, ont déjà construit des bunkers. C'est pas en Finlande, mais c'est et donc effectivement ils sont déjà prêts à survivre. Il y a un truc, vous regardez sur. Il y a un grand hangar qui est déjà fait, qui est machin et tout, mais sur des milliers d'hectares et tout ça quoi, sous la banquise bien profonde, qui est soi-disant et tout pour préserver des graines et tout ça et tout, qui est un grand frigo en fin de compte, en disant on le fait parce que c'est à préserver des graines, et qui en fin de compte c'est on le fait parce que au cas où que l'arche de Noé devrait se refaire et que personne ne le refera, bah, nous on a déjà fait ça. Il y a des choses. Le nouvel ordre mondial aussi. Attention à ça. La puce comme ça qui est. Attention à ça. Aux États-Unis, c'est déjà commencé, c'est là. Oui, oui, mais nous, on ne voudra pas. Dites-nous. Oui, c'est ce qu'on dit. Non. On le prendra, le choix. Voilà. S'il faut faire. On le prendra, le choix. S'il faut faire. Non, mais j'ai été faire la chaîne de la... Indignation. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Ce qui est terrible, c'est qu'on est tous d'accord. Oui, mais c'est ce qu'on dit tout le temps, quoi.